Salut, c'est Lars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo unboxing. Alors, j'ai fait quelques achats en ligne pour moi, pour ma maman et pour ma filleule sur le site Coco Home Center. Pour ceux qui ne connaissent pas le site, mais qui n'ont jamais entendu parler du site, c'est tout simplement une parapharmacie en ligne qui ne coûte pas du tout cher. Honnêtement, contrairement au prix des pharmacies qu'on y va au quotidien, le prix est vraiment abordable. Et du coup, en fait, le site propose une variété de produits et de marques dédiées à la santé, au bien-être, à l'hygiène et aussi à la beauté. Maintenant, il faut savoir que j'ai passé la commande de mes produits un samedi et c'est arrivé le samedi qui suivait. Donc, le produit a fait environ une semaine en route. Donc, je pense que ça dépend, la livraison dépend du pays où on se trouve. Et aussi, il faut savoir que le produit vient hyper emballé, donc c'est super protégé, quoi. Et donc, sur le site aussi, il faut passer à partir de 39,99 € de commande. La livraison, elle est gratuite. Donc maintenant, je vais vous présenter les produits que j'ai commandés sur le site. Je vais commencer par les produits de ma filleule. Donc pour elle, j'ai pris ces produits-ci, cette gamme-ci. C'est la marque Clorane. Pourquoi j'ai pris Clorane? Tout simplement parce que c'est une marque que je connais depuis que je suis petite. C'est ça que maman utilisait sur mes frères et moi quand on était petits jusqu'à l'adolescence comme ça. Et bon, à l'époque, en fait, ils n'utilisaient pas les produits, ils n'ajoutaient pas la plante, le calendula dans leurs produits. Je ne me rappelle pas de toutes les façons. Mais voilà, j'ai pris ça au calendula tout simplement parce que le calendula, c'est une plante aux vertus apaisantes et anti-inflammatoires. Et voilà, j'ai pris aussi la j'ai choisi cette marque et non peut-être la Roche-Posay, quoi que ce soit, tout simplement parce que les soins au calendula en fait sont faits pour protéger la peau des tout petits, puisque la peau petite, et aussi en fait pour les protéger du dessèchement de la peau, de l'irritation s'ils en ont. Voilà quoi. Ceci c'était le gel lavant doux au calendula. Ça ne pique pas les yeux, c'est fait pour nettoyer, pour se laver le corps et les cheveux. Ensuite, c'était en réduction en fait. Comme vous voyez, c'est un pack de deux. Là, c'était en réduction sur le site. Ensuite, j'ai pris cette crème lavante là. C'est toujours au calendula. C'est écrit peau sèche à très sèche. Et c'est fait aussi pour le corps et les cheveux. Après, j'ai pris ces deux-ci en fait. C'est l'eau nettoyante sans rinçage. Vous voyez, et c'est la contenance de 500 ml. Je crois que c'était aussi en réduction sur le site. Vous voyez, c'est quand en fait, quand vous n'avez pas nettoyé l'enfant, quand vous voulez juste nettoyer l'enfant, vous mélangez cette lotion avec de l'eau et puis vous nettoyez l'enfant avec. Et l'odeur du chloral, j'aime trop cette gamme quoi. Après, j'ai pris le lait de toilette 750 ml. Je trouve quand même que les prix sont vraiment abordables. C'est pour des peaux normales à sèche, ce lait de toilette. Et je crois que c'est fini pour la petite. Quand je vous dis que les produits viennent vraiment protéger là, c'est protégé quoi. Déjà, on vous emballe le produit avec ce papier ici là et par la suite on met encore ce papier pour protéger vos produits. Vraiment, c'est super en fait. Ça dit pas que vous commandez sur le site. Et jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu d'inquiétude, j'ai pas encore eu de problème. Maintenant, pour moi, j'ai pris ce gel de douche. J'ai pris ce gel de douche à l'aloe vera de Roger Cavallès. Et c'est comment je vais dire. Moi, c'est pas la première fois que j'utilise ce gel de douche. C'est un gel de douche qui laisse la peau vraiment hydratée après utilisation. Et c'est fait pour des peaux sensibles et délicates.
L'odeur, en fait, est vraiment légère et juste délicieuse. Vraiment, je vous le recommande. C'est pour les peaux. Je trouve que le flacon. Ouais. Pip, pip, pip. Je trouve que le flacon est vraiment pratique et l'odeur magnifique, quoi. Ça sent super bon. Moi, j'aime bien. Et c'est pas la première fois que je l'utilise, donc je peux vous le recommander. Le prix aussi, c'est rien, quoi. Et encore pour moi, j'ai pris ceci. C'est le baume de cœur réparateur. C'est au beurre de karité, à l'huile de jojoba. Et c'est pour des peaux très sèches. Voilà, je ne sais pas pourquoi depuis que je suis en Allemagne, j'ai une peau hyper sèche. Je ne sais pas si c'est à cause du calcaire ou quoi que ce soit. Mais quand j'étais encore au Cameroun, j'avais une peau normale. Mais ici, là, c'est la cata, quoi. Donc, voilà, pour... J'aime aussi beaucoup cette huile ici là. Je vous le recommande pour ceux qui ont des peaux vraiment sèches parce qu'elle hydrate bien la peau et la laisse vraiment douce. Et en plus, il est fluide, il est agréable à appliquer tout en laissant une peau impeccable. Donc, quand il vous dit impeccable là, c'est impeccable. Et donc, j'ai pris ces deux produits pour moi de chez Roger Cavallès. Pour le moment, vu qu'elle a une peau un peu compliquée, je lui ai pris, voilà, les produits de La Roche, de chez La Roche Posay. J'ai pris, voilà, attendez. J'ai pris, voilà, l'épicate de chez La Roche Posay. C'est fait pour des peaux qui grattent, pour des peaux qui sont, des gens qui sont toujours en train de gratter, de se gratter et tout. Voilà, je lui ai pris cette lotion aussi là. Je pense aussi que les enfants peuvent aussi utiliser. C'est pas seulement les grandes personnes, on va dire ça comme ça. Et donc là-bas, c'est pour le corps, c'est la crème corporelle. Et je lui ai pris aussi, toujours, l'épicate de chez La Roche Posay. Je lui ai pris ce gel de douche là. Une contenance de 400 ml et voilà quoi, c'est fait pour les peaux sèches. Il faut savoir que la marque L'Épicate de chez La Roche Posay est fait pour les peaux sèches à tendance eczémateuse. C'est une marque qui est vraiment coûteuse, mais la qualité du produit est, parce que je pense que c'est si m'a coûté un truc comme 17€ ou 18€ comme ça pour une contenance de 400 ml, mais ce sont de très bons produits, donc je vous le recommande. Donc les amis, c'est ici que la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Si là, elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, de me laisser des commentaires. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs quelle marque vous utilisez pour votre corps et quel produit, parmi les produits que vous avez présentés, quel produit est-ce que vous utilisez. Et voilà quoi, on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Abonne-toi.